Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle séance d'ASMR avec Aurélia. Ok, bonjour. Bonsoir. On se retrouve pour un nouvel épisode. Mes choux. Give it to me. Comme chapeau. Oh. Ah ouais. Ça y est, il a eu son chapeau. Il est content. Oui. Salut. Ouais, on peut c'est valise un pain. tu veux voir mon zizi? Non. Et de rock. Ça va? Non, tu vas être mon ami. Va-t'en. On peut changer sa couleur pour le rendre pire, tu vois. Qu'est-ce qui serait pire, jaune ou... Quelle couleur? Rose. Un bon rose pétant. Un bon rose pétant. Allez. Ah ouais. Je peux le mettre transparent aussi. Puis, comme ça, vous pouvez voir un peu mon visage par en dessous. On croirait, tu sais, le rondoudou dans Pokémon qui quand tout le monde s'endort à cause de sa musique, il dessine des trucs sur le visage des gens. Ah oui. On dirait, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait cet épisode-ci? J'aimerais qu'on essaie le bâtiment. Ouais, le bâtiment, toi tu vas faire ça. Moi j'ai envie d'essayer les... On va faire le soufflet aussi pour le feu, c'est très important. Là, il faut que je lance la prod de cuir. Ouais, il faut 3 cuirs. Lime water. Ding. Ding dang dong. C'est le bruit du prédateur dans un film, c'est... Chaque fois il débarque. On pourrait faire un film avec ça. Avec ta tronche qui sort... Bah merci. On pourrait faire un film d'horreur avec ta tronche. Bah ouais, non, avec ta tronche. T'imagines, non, mais c'est ce que tu m'as dit, quoi. L'insulte, quoi. On pourrait faire un film d'horreur avec ta tronche. J'avoue. Oh, ça, c'est de l'insulte, hein, franchement. Je dirais ça à Flo Flo dès que j'en ai l'occasion. Oh. Wow. Alors, la plupart des vaches devraient accoucher en mai. Donc en mai, on devra avoir 4 bébés en plus. Ah, c'est bien ça, les citrouilles. 4 bébés vaches en plus. Ah, c'est nice, non? Ça va. Ouais, c'est super. Bon, par contre, il nous faudrait juste un fruit pour commencer à faire du fromage. Quoi. Un bête fruit, enfin un gros fruit quand même. J'ai eu quelques fruits dans des loot bags, mais ils sont pas ouf. Hein. Ils sont pas ouf, ouais. Ah, ils ont combien de os? 10. 10 10 os? Ouais. Pas 0,10? Non, 10. 10. 10.0. Ah, mais c'est 10, c'est pas le vinaigre avec ça. Ouais, ouais, on peut faire du vinaigre, vas-y. Ah, bah là, j'ai du bunchberry là. Alors, du coup, c'était dans quoi qu'il fallait mettre pour faire du vinaigre? Bah, mets dans c'est dans de l'alcool, la vodka, n'importe quoi. Non, n'importe quoi. Là, regarde, il y a un barrel plein. Vas-y. Au revoir, le barrel d'alcool. Ah non, il y en a pas non, assez. Non, ça marche pas. Ou alors, oui, ça marche pas assez. Essayons quand même un autre barrel, peut-être too de bad. Saké. Au revoir. Non, c'est y a pas ouais, assez. Non, il y a pas assez. Ouais, c'est ça le problème, pas assez. Premier échec dans notre tentative de faire un fromage. Un coup dur, mais nous n'allons pas en rester là. À tantôt pour la suite. Ouais, je vais chercher les cochons, tiens, c'est le plus important. Let's go. Allons chercher du cocon, du cochon, cocon, chochon. Chochon. Oui. Yo. Allez, eh. Oh, la tête des moutons, quoi. Tombé. Ouais, ils sont un peu, comment dire. Seule une mère pour les aimer, quoi. Ouh, la vache, t'en fais un bâtiment. Oh, la vache, eh. Tu sais que c'est plus grand que la maison? Non. C'est... Il y a beaucoup de trucs à mettre hein, dedans. Ouais, c'est vrai. Après, je sais que ça représente une grosse partie de Terraform Minecraft, mais bon. Puis je vais réduire là, tu sais, je monte d'un et je réduis d'un partout. Ah ok. Donc ok. Non, okay. Parce que je vois là, tu me juges, mais bon. Non mais juste que je me dis, c'est quand quoi. Tu fais une industrie prolifique, dirons. Auré. Ouais. Il y a de la clé, il y en a juste là en fait, à la base. Ouais. Genre là j'ai creusé 2 cubes de terre, il y a de la clé. T'es sérieux? C'est le truc qu'on a cherché pendant 4 épisodes. Oh, sérieusement? T'es sérieux? Alors où sont partis les cochons? Ils étaient là. Mais évidemment ils ont bougé. Lève là. Est-ce que nous avons un couple? La mêle. Nous avons un... Pourrais-tu me laisser observer ton sexe? Nous avons 2 femelles. J'observe le sexe des animaux afin de voir si nous avons besoin d'autres animaux
de la même espèce. Très bien, faites donc. Ne vous inquiétez pas. Venez les cochons. Enfin, les cochons, techniquement. Allez, les cochons. Surtout avec mon chapeau, ça le fait pas. Ah bah oui, il est juste là, Isaac. On va être obligé de se le faire, hein. Non. Mais il est devant la forge. Genre, on fait comment? Oui, mais t'as vu les dégâts qu'il avait fait la dernière fois, hein? Bah oui. T'es sûr? Mais tu veux faire comment? Est-ce qu'on se venge d'Isaac? Après, là, il fait pas mal. Ouais, mais si. Après, il fait mal quand tu l'as tué une fois. Ouais, il revient à la vie. C'est sûr, hein. Bon, il fait pas très mal, mais... Bon, au début, chiant, il fait pas très mal. Après, il fait très mal. Ouais, c'est ça le truc, quoi. Enferme-le, j'avoue. C'est pas con, en fait, ça. Même s'il réussissait, il serait toujours enfermé, non? Parce que là, il est focus sur moi, donc... On l'enferme. Et puis, on lui fait sa fête. Je crois qu'il provoque des explosions, quand même. Ouais. Ouais, et mais si on met du bloc de pierre, on pourra pas les détruire. Ah, ouais. Effectivement. Vas-y, Edo, enferme cette merde. Qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque le barrel. Hé, mon barrel! The fuck, Isaac? Je vais faire une cage ample en niveau taille, comme ça. Pas confortable. Mais arrête. Isaac, arrête. Tu m'embêtes! Il me regarde, Isaac. J'aurais pas assez de blocs, là. Ah, c'est lui qui fait ce bruit de ghast, en plus. Oui, en plus, il pleure. Il pleure tout le temps, Isaac. Alors moi je dis ça, je dis rien, mais j'ai vu Auré plonger dans un bain avec un homme tout nu. Hein. Ouais, il est pas tout nu. Qui pleure. Il a, ouais, il est tout nu. passe-moi plus. Ah, t'as des blocs, ok, nice. Et je l'enferme comment? Vas-y, enferme-le. On va mettre une, une barrière ou autre chose pour l'attaquer à travers genre le coin du bloc ou autre chose. Là, ici, si on met une barrière, on pourra l'attaquer. Aïe. Ah oui. Aïe. Il attaque. Vengeance. On prévoirait pas un plan de secours s'il est vraiment violent? Ah, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire comme plan de secours, parce que s'il est vraiment violent, là c'est le dessert. Le plan de secours, ce sera... Run. Courir. Run for your life, bitches. Oui, il peut attaquer, évidemment, mais nous aussi on peut l'attaquer. C'est ce qui compte. Bah, essaie de te mettre au-dessus, essaie de l'attaquer. De toute façon, il me target moi, donc. Derrière moi, comme ça, tu vois. Voilà. Ah, il te target toi maintenant. Oh, il saigne. Il a son stade 2. Stade 3, c'est là que ça devient. Allez, voilà. Je brûle, mais bon. Hop, j'ai de l'eau juste derrière. Attention. Je suis kéblo, en fait. Attention. Il est mort. Il est mort. Et la tête? Non, il est pas mort. La tête. Ah, la tête est pas morte. Ok, la tête est encore là. Ah, parce qu'après, il se sépare en deux. C'est violent. T'arrives à la voir là? J'arrive pas à la voir, elle est trop petite. Elle est dans le coin, sa tête. Pour l'instant, il a rien droppé d'intéressant. Hein. C'est non, quand c'est tu le tues à la fin qui. J'aimerais bien casser le bloc, mais c'est dangereux, ça va le libérer. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais casser ce bloc de bois là. Oh, c'est violent ça, t'es sûr? Ah, le bloc de bois là, oui, ça va ça. Vas-y. Tu peux la voir là? Vas-y, Mel. Attends, j'essaie. Oh, pas sa tête. Non, fais pas ça. T'inquiète. Ah. C'est bon. C'est bon? Ouais. Dropper quelque chose? Il y a pas un autre. S'il y a quelque chose un autre là-dedans. Stade? Bah non, c'est le tout. Dernier stade. Il y a rien. Ok, Isaac, il a droppé des muscles. Trop bien. Génial. Excellent. Bon, ah, là, ça valait. Bon, en même temps, il n'a pas été très violent à tuer, mais bon. On s'est vengé d'Isaac. Mais... Voilà, c'est ça, on s'est vengé. C'est ça qui compte. Et lui, pendant ce temps-là, il allait chercher ses cochons. En tout cas, les champs poussent beaucoup mieux depuis que j'ai rechangé l'endroit. Nice. Franchement, là, avant le prochain hiver, je vais pouvoir faire, à mon avis, 4-5 cultures. Enfin, 4-5 récoltes. Donc, on est tranquille. Ouais, je vais prendre des vaches avec moi parce que je trouve pas d'autres cochons. Il y a que de la vache. Il y a de la vache, mais partout, quoi. Oh, elle a un chapeau nucléaire. Nice. Bon, allez. Venez les mêmes. 4 mêmes, dont pas mal de femelles. Venez. Ça fera plus de lait, ma foi, c'est pas plus mal. Pour une hache en. Oh, bien en qu'on fer, a déjà. Hein. On a déjà ML, mais bon. Oh, j'aurais pas trop kiffé. Ah, il y a des cochons ici, what the fuck? C'était des cochons en fait dans l'eau. Ok, bon bah je ramène tout le monde. Cochon mâle, excellent.
Et cochon, deux cochons mâles. Bon, j'aurais préféré un cochon mâle et un cochon femelle, mais bon. Voilà. Nous avons 4 cochons, 2 femelles, 2 mâles. C'est équilibré. Alors, les oignons. C'est des oignons. Ouais, ouais. Tu fais le chien ? Non. Il y a un zombie avec une armure en style. C'est tout le rack. Il est stylé l'armure, du coup. Essayez, j'ai plus de 16. J'ai des sticks, hein. Oulala. Tellement plus organisé. Formidable. Faut que j'enlève l'herbe ici, par contre, et mettre de la vraie dirt. La dirt permet d'avoir une température plus basse, d'ailleurs, dans la cave. Alors, vous allez voir, le stockage de bouffe, maintenant, il est tellement organisé. Je suis fier. Est-ce qu'il y a des chips ? Non. C'est nul. Ah, des knackis, alors ? Ah, bah si, on a des knackis. Il y a moyen, avec, en combinant du rock salt et de la potato, de faire des chips. Ah, peut-être. Ah ouais, là, je suis content. Là, l'organisation est plus organisée, j'ai envie de dire. Excellent. Du jardinage, de l'élevage et une organisation à toute épreuve. C'est ça le secret d'un bon survivaliste. Et aussi de la vodka. J'avoue, c'est vrai qu'Auré, en ce moment, on est tout le temps ensemble. Faudrait qu'on sauve quelque chose pour la Saint-Valentin. De vrai, ça. Je t'offre... Attention, Auré. Je l'ai volé, tu ne l'auras jamais. Sinon, pour récupérer de la laine, il faut genre tuer les moutons, ce qui est un peu violent quand même. Pourquoi on devait récupérer de la laine d'ailleurs ? Fais-toi une cisaille, mon bon Auré. N'aie pas peur. Je suis nul, un truc de bûcheron. Serait-il possible d'avoir une scythe, une autre que celle qu'il y a déjà ? Ok. Non, bah c'est bien, demandez-moi des trucs maintenant tant que j'y suis parce que. Alors, je veux des chips, du coca et du babybel. Non, mais vous voulez pas autre Alors, chose. Alors, moi, j'aimerais plein d'argent aussi. YouTube. Rip le phare qu'il y avait ici, y a plus rien. C'est un observatoire. Oui, observatoire. Oh, le mec, t'as vu comment il joue sur les mots, comment il est désagréable. Oh, il a du tanin. Le mec. Ah, ma pelle. On m'appelle l'OVNI. Tu. Ok, merci. À bientôt. Reviens, espèce de quoi. Ah, je regarde le chat, c'est juste que je lis pas, il n'y a pas d'intérêt. S'il y a des questions intéressantes ou quoi que ce soit, je lis, mais... C'est juste pour me demander pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça. Pourquoi t'as une barbe ? Ah, pourquoi j'ai une barbe ? Pourquoi t'es un être humain ? Ah, bah, je sais pas. Pourquoi ? Pourquoi t'as une casquette ? Pourquoi ? Et toi, il me faudrait une pelle. Aussi. Pourquoi il te faudrait une pelle ? Bah oui, mais je viens de casser la mienne. Pourquoi te la casser ? Parce que je creusais le charbon. Pourquoi tu creusais le charbon ? Pourquoi tu me demandes de faire une pelle ? Je sais pas. Et pourquoi ? Ça pousse. Silence, ça pousse. C'est bon. Ça a fini de pousser. Libéré. Je ne pèterai plus jamais. Tiens, Auré, tu les as ? Attends, parce que je dois pas refaire, c'est plus cher quand même. Okay. J'ai le cuir. Comment ça s'appelle le truc, le truc déjà ? Le soufflet, là. Le willow. Et là, on sait qu'il faut mettre coup de marteau, coup de punch. Edo. Donc, ça fait reculer. Tiens, Edo. Coup de marteau, un coup de punch, on est pas loin. Tiens, Edo. Marteau, un coup de punch, tiens, on est pas loin. Coup de marteau, coup de punch. Tiens, Edo. Attends. Tiens. Arrête tout ce que tu fais. Marteau, coup de punch. Tiens, Edo. Oui, merci. Je sais plus comment ça se met. Moi non plus. Ça se met c'est sur bon. Le côté du feu ou je sais plus où. Merci, Edo. Faudrait regarder. Oui. Regarde sur le wiki, ah, voilà. le bellows. Alors, par au-dessus. Donc, non. Je vais le mettre à la place de ce bloc ici. Alors, quel si tu comprends pas les mods, parce que oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Voilà. Faut en prendre. Vas-y, un attends, je vais appuyer dessus et tu me dis si la température augmente. Ouais, ça augmente, ouais, à fond. Ça augmente, c'est cool. Ouais, c'est beaucoup plus rapide avec ça, parce que ça permet vraiment de booster la température d'un coup, alors qu'en temps normal, faut attendre 3 minutes. Super, merci Auré. Ok, je vais utiliser les cisailles pour voir. Vous êtes prêts ? Oui. Oh ! Ça tourne les moutons. On dirait Minecraft. Ah bah par contre le mouton coloré donne de la laine blanche. Oh c'est pratique. Voilà. J'ai de la laine.
Qu'est-ce que je peux chouette. Usage. Alors avec, on peut faire un pinceau. On peut faire un pinceau. On peut faire un... Un pinceau. De la wool, yarn. Ça, c'est plutôt pratique. C'est surtout ça, en fait. Usage. Ouais, ça, tu pourrais l'utiliser pour faire un... Il y a ces utilisations. Il y a aussi le wool cloth qui revenait dans certains crafts. Des lanternes aussi qu'on peut faire. Des name tags. Mais c'est la wool cloth qui était très intéressante parce qu'elle permet de faire pas mal... Ah ouais, il y a 56 crafts rien qu'avec la wool cloth. Bon, il y a beaucoup de décorations par contre. Tous les meubles sont utilisent ça, déjà. Donc on va pouvoir faire des petits meubles. C'est toujours sympa. On peut faire des lits aussi, non? Ouais, les lits, ça se fait avec ça. On peut faire des carpettes aussi. On peut faire le sword pédestral, justement. Le truc pour mettre une épée. Oh là là, j'ai de quoi te faire de la vodka, Edo. Tu vas m'en dire. Ah oui. Des... Nouvelle. Ah, il faut une demi-patate pour la vodka. J'ai une trop grosse patate, j'ai l'impression. Ouais, c'est une demi. J'aimerais bien qu'on explore plein de débuts de donjons. C'est dans les débuts de donjons, il y a beaucoup de graines. Du coup, c'est pratique pour avoir des graines plutôt rares. Et c'est facile, le début de donjon. Genre, il n'y a pas de sorcière ni rien. Il y a le bouquin de quête qui donne pas mal de graines aussi. Hein. Ah bah, elles vont bientôt accoucher, les vaches. On est le combien? Elle est soufflée. On est le 2 mai. Il y en a une qui doit accoucher le 2 mai. Le 3... Le 3... Cochon, ah, vas-y, une vache femelle. Le 2, oui, il y en a une qui doit accoucher aujourd'hui. Et aussi, vu que c'est le printemps, il y a des plantes qui ont dû repousser dans la nature, non? Oui. Bon, allons voir un petit peu. Ah, donc t'en as vu? J'en ai vu, j'en avais récolté, je crois que c'était du barley que j'avais récupéré. Nice. Nice, ça veut dire que récolté, ça y est, on peut refaire des expéditions... Yes. Là même pour non les fruits c'est pas encore mais pour d'autres légumes éventuellement et pour surtout les grains, le riz, tout ça. Yep, après franchement c'est beaucoup plus rapide que c'est beaucoup plus rapide d'aller dans un donjon et de prendre plein de graines dans les coffres de l'hôtel. Ouais. Donc t'as des graines beaucoup plus rares comme ça. Même si j'aimerais des graines de soybeans, mais bon. On dit pas accoucher mais mettre bas pour les animaux et d'ailleurs. Ouais, même chose. Ouais, je vous trouve bien réducteur envers ces pauvres animaux. Vous voulez les abattre, quoi? Les mettre à battre, c'est ça que vous avez dit? C'est violent. Les mettre à battre, c'est pas un truc... Bref, ils vont faire un petit veau qu'on va manger dans pas longtemps, quoi. Bah, pendant l'hiver, hein. Voilà. Parce que sinon, enfin, il n'y a pas vraiment besoin tout de suite. Ah, quoi que. Ah, je pourrais aller tuer du gibier aussi, c'est bien, ça. C'est de la bonne bouffe. Le poisson aussi, c'est toujours nice. On dit chasser. C'est le gars puriste. Bon, j'ai fait un petit tour vite fait là, je trouve pas trop de graines en réalité. Je pense pas que tu sois passé par là, en plus c'est même donc. Non, j'étais là où il y avait le fer. Quand je les ai trouvés. Ah ouais, c'est bizarre ça. Tiens, bah attends, laisse-moi ça aurait pour que je puisse monter. Ouais, ça marche. Ça aurait du repop en plus, c'est ça qui est bizarre. Bon, ça a été un peu un épisode d'avancement, je trouve celui-là. Ouais, on a quand même pas mal avancé sur pas mal de choses. Mais choux ! Il y a des choux ! Tous les sandwichs, ils sont tout pourris. Ouais, mange-les vite, tout ce temps qu'il en reste. Oh, tu veux que je mange des sandwichs tout pourris? Bah, ils sont encore c'est bons. Bon. Hein. C'est dans ce jeu-là, il n'y a pas de maladie. Hein. Pouf, pouf. Il y a moyen d'avoir des fraises avec assez de hausse pour faire du vinaigre. Oh, nice, j'arrive. Mais viens les récolter, tu dois en avoir des plus grosses, toi. Je sais pas si j'en ai des plus grosses, mais vaut mieux être sûr. Peut-être que j'aurai des graines ou autre chose aussi, c'est ça que j'aime dire. Bien que les buissons, c'est pas vraiment des graines, mais bon. Ça, on va avoir du vinaigre et du fromage. Oh ! Passe-moi ton chapeau. Je veux son chapeau, j'ai eu son chapeau. En ton temps, hein, on est tous les deux en train d'attendre devant les berries. Bah, je suis un petit peu... Ah oui, je suis là. Ah oui, la vache, j'avais même pas vu que j'étais arrivé là. Viens, on pisse sur les buissons, là. Toi, vu l'asticot fluorescent que t'as, ça va faire du pipi radioactif. Mais écoute, c'est avec la radioactivité, on peut faire gonfler ces fraises. Ça va faire des fraises nucléaires. Et voilà, le bateau a crash. Eh ouais, mec. C'est quoi cette tête de troll que tu as? Oh, tête de troll. Une tête de troll. Yo. Vas-y, ramasse les fraises. Oh. Regarde toutes les graines que j'ai trouvées en une seule exploration, c'est pas vrai. Les fraises, où ça? Là? Ha! Edo, il s'est pris un coup avec le bateau.
comment il se moque. Y a pas d'autres strawberries? Tiens, y en a un autre là. Ah oui, là. Ok, alors. Ça t'en fait une comment? Aïe! Ça m'en fait 36,7 os. Je pense que. Ah! Oh, pourquoi j'en ai encore eu un? 40 os, 41,5. Ça devrait être assez. Qu'est-ce que c'est? Non, Ghostberry, je pourrais pas le fusionner avec. Non. Ok, barrel de vodka. Full vodka, voilà, celui-là. Non, ça a pas l'air d'être assez. Pas assez, il faut un demi, quoi. Faut vraiment un demi, ouais. Ou pratiquement un demi. Avec, en attendant, j'ai avec une pomme. Ouais. Bah, non, je vais le mettre pas. À la brie. Non, une pomme, ça fait du cidre. Une pomme dans la vodka, ça fait du cidre? Ah, non, peut-être pas dans la vodka. C'est dans l'eau que ça fait du cidre. Je vais le mettre de côté, le strawberry, au cas où on en aurait d'autres. Il faut 1000 mini-buckets d'alcool pour 10 os de fruits. Bah non, c'est ce qu'on essaie depuis tout à l'heure. Ah, c'est parce qu'on a plus dans le barrel. Non, je vois, oui, je vois ce qu'il Peut-être veut dire. Peut-être qu'il faut moins de vodka, en fait. Ouais, ouais, on a 10 000 mini-buckets dans un barrel en complet. Ah, c'est pour ça. T'avais combien de sans os j'ai une idée. J'ai une idée. Mon idée, Edo, c'est que... C'est qu'il faut boire de la vodka. C'est qu'il faut boire la vodka, mettre... Oh, t'en as enlevé d'un coup là, la vache. Il t'en faut combien? Attends, on va essayer avec ça. Ça, ça marche pas. Non, non, il y a combien de hausse dans le fruit? 41,5. Donc il faut 40. Il faut 4000 mini buckets du coup. Ah bon? Ah, c'est comme ça que ça marche, ok. Attends, là, il y en a pas. Non, oui, là, il y en a encore 30. Faut le boire. Bois, Edo, bois! Il y a 6000. Tiens, aide-moi. Aide-moi! Nazdrovie! Ah, je pense que t'as eu un malus de l'alcool. 6000 mini buckets. Nazdrovie! Y'a 5500, encore. Nazdrovie! Ah, oh, oui, ah, voilà, j'ai du fire résistance. Au bout d'un moment, tu prends un effet. C'est bon, 4500? Vas-y, essaye là. 4250. Attends, je vais remettre ça. Je vais essayer strawberry. Non. Nazdrovie. Un petit Nazdrovie, vas-y. Nazdrovie. Non, pas encore. Encore un petit Nazdrovie. Nazdrovie. Là, ça devrait être bon par contre. Top, top, top. Eh non, quelqu'un a enlevé. Non, non, non. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon. Vinegar. C'est bon. Ah. Nice. Ouais. Ah oui, vinaigre. 4000, ok. Donc, oui, si on a des fruits de 10 os, ce qui est souvent ce que quand tu récoltes, il faudrait juste genre 1000 millibuckets de vodka pour faire du vinaigre. Après, on peut se faire plus de barrels 4000, au lieu de boire tout. Hein, on peut faire plus de barrels et répartir la vodka sur plusieurs barrels. Oui, c'est ça. Ou alors on boit tout. Les meumeux, normalement, ils ont fait des bébés. Allons voir. Oh, il y a des bébés meumeux. Oh, il y a beaucoup de bébés. Elle est pas familiarisée avec moi. Et sa mère, elle était familiarisée avec moi. Et que... Oh, il y a d'autres bébés. Oh, il y a plein de bébés. What the fuck? J'ai eu la partouze l'autre nuit. Alors, ma vinaigre. Oh, on a du vinaigre. Les gars, vrai. On a du vinaigre. 4000 millibuckets. C'est-à-dire qu'on pourra faire pas mal de fromage rien qu'avec ces 4000 millibuckets. De fromage quoi? De fromage. De fromage. De fromage. De fromage. De fromage. Ça vous dit de faire dodo, comme ça je peux traire les vaches plus vite. Vas-y. Je suis dans le lit. Donnez-moi votre lait et je vous en... Verrez. Redonnerai. Remercierai. Donnez-moi votre lait et je vous en... Oh. Du beurré. Et je vous promets, ce sera pas du lait caillé. Voilà. Oh. Merci. Ah. Merci à tous. Venez. Venez. J'ai suffisamment de lait pour la création de notre fromage. Je vais le mettre ici. Moi, je veux de la Munster. Eh, il faut le renommer, le fromage. Hein. Tu sais que chaque région doit donner un nom à son fromage. Non. Chaussée Sama. Ma vinaigre. Il faut qu'on donne un nom à notre fromage. Dites-nous en commentaire de l'épisode quel nom on donne au fromage. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. Unseal, bim. Et voilà. Direct. Du milk. Et maintenant, il faut, Milk. Il faut le curled milk. Je l'infuse pas, mais plus tard, peut-être, on pourra mettre genre de la tomate pour avoir du fromage à tomate, tu vois. Ouais. Bah là il faut le laisser cuire. Ouais il faut le laisser Faut le laisser cuire. Non il faut le laisser fermenter plutôt. Tome de Sama, c'est pas mal ça. J'avoue vu que c'est de la vodka avec quoi on a fait le fromage, on pourrait appeler ça le vodka mambert. Prochain épisode je vais pouvoir faire un sandwich avec du fromage dedans. Oh ça va être tellement...
Et des fruits. Ah oui. Alors on va mettre... du fromage et des fraises. On va mettre un bon steak. Ensuite, on va mettre de fruits. Et puis on va mettre du fromage. Et puis un légume. Genre mes choux ou autre chose. Ah, cheese. C'est en train de se créer. Le curling mill s'est fait. Maintenant, c'est en train de faire du cheese. Ah. Cheese, man.